Salut! Alors aujourd'hui c'est Pâques, pour la peine je suis dans le parcours du poulailler. Alors je voulais 5 nouvelles poules. Du coup un éleveur de ma région est venu m'en apporter un soir. Alors c'est des poules Sussex, elles pondent environ 200 œufs par année et aussi pendant l'hiver. Et elles vivent environ 10 ans comme chaque poule, mais elles pondent vers environ 8 ans. Alors que les poules industrielles comme celle-ci, elles pondent que 2 ans et après il faut les jeter. Ça c'est vraiment dommage. Alors quand elles arrivent, il faut les confiner 3 jours dans le poulailler. Toute la journée, toute la nuit. Comme ça, elles apprennent à reconnaître leur maison. Parce que sinon, elles dorment n'importe où, comme en haut de l'arbre. Des trucs comme ça. C'est ça, faut pas. Alors pour attraper une poule, faut la prendre par les ailes, surtout pas par les pattes. Ça. Puis on peut même se la coincer pour faire une balade en poule. Au début, elle se piquait beaucoup et maintenant ça va. Alors ces deux-là restent timides dans un coin. Ou alors celle-ci est en train de pondre un œuf. C'est pas tellement un bon spot. Et elle va se faire embêter par des poules industrielles. Ça fait comme au collège. Bien joué. Et évidemment, on n'oublie pas de chercher les autres packs. C'est quand même dommage sinon. Par contre, j'ai pas trouvé les œufs des Sussex. Il leur faudra le temps. Je reviendrai ce soir pour les coucher et voir si elles vont toutes poulailler sur le pondoir. A plus tard. Un seul soir, je vais voir si elles sont toutes couchées. Effectivement, elles sont toutes couchées, mais c'est la grosse anarchie. Et en plus, maintenant, elles veulent ressortir. Bon bah c'est pas trop mal. Elles sont pas toutes sur le même perchoir, mais ça se passe bien. Allez, à plus.